dit que tu avais des super pouvoirs. C'est génial. Tu les as eus comment? Manuel. Ce manuel présente des implications métaphysiques étonnantes. Nous devons le remettre aux autorités compétentes. On pourrait faire ça, mais ça te dirait pas de découvrir tes pouvoirs à toi d'abord? J'ai des pouvoirs? Waouh! Avec ces nouvelles capacités, je peux servir la justice sociale. Oh non, on pourrait pas passer ce niveau. Allez, on va rigoler. Tu vas pouvoir taper plein de méchants. Bah, s'il y a du grabuge... Alors nous allons raser toutes les forêts de Springfield et chaque arbre coupé sera transformé en cure-dent de luxe. Super idée, Monsieur Burns. Juste une petite question. Ça ne risque pas de créer, disons, une catastrophe écologique? On ne fait pas une omelette sans saccager un peu la planète. Bien dit, monsieur. Bien dit. Bien sûr, si c'est des volcans que vous voulez voir, vous n'êtes pas au bon endroit. Mes pauvres amis feuillus. Les éclats. Temps de nettoyer les enclumes. Mais foutaise. La prochaine fois, ce bouffon réfléchira à deux fois au lieu de faire n'importe quoi. Stupide gamin! Je ne croyais pas aussi violemment passionné! Pas mal, grand-père! Écrasez-les! Vous êtes... Je suis trop fier pour supporter ça! Ça fait du bien de retrouver la nature. Voilà, Lisa. Allons-y. Thank you.
pipi, frère. Waouh, j'adore le chant de la forêt. Non, on dit un bio-violacé. Oh mon Dieu, on dit une tronçonneuse. Ah non, c'est une tronçonneuse. Hé, Carl, pourquoi on se dispute autant? Parfois, je crois que c'est parce que c'est tout ce qui nous reste. Partez là. Vous se battre, la sculpture. Monsieur Burns, je suis dire de votre mystérieux. Allez, sauvez-nous! Au secours! Enfin! C'est la faute des libéraux! Pour un peu d'un vrai bûcheron, pas d'un mec comme lui! Sauvez-moi! Oui, moi, Lenny! Mais aussi mon copain Carl! Au secours, Big Mama! Je laisse le gouvernement s'en occuper. Je lègue tout à mon copain Carl. Si je meurs, je veux rester habillé. Vous nous avez sauvé la vie. Vous aidez où, les gamins? Oui, nous allons dire à tout le monde que nous avons été sauvés par... les enfants de mer, dont les noms sont... Bart et Lisa. Je ne crois pas que vous ayez oublié nos noms. Vous nous connaissez depuis toujours. Bah quoi? Vous savez, on peut pas se rappeler de tous les enfants. Allons-y! Cette planète n'est pas si terrible que ça.
Russie. On a détruit l'usine. Et voilà 200 Américains besogneux qui vont perdre leur job. Comment on va nourrir nos familles maintenant? Vous pourriez toujours faire une nouvelle formation, comme gardien de garderie ou médecin sportif. Mais j'ai été bûcheron toute ma vie. Mon père était bûcheron, mon grand-père l'était aussi. Et mon arrière-grand-père aussi. Super histoire. Tout ce que je voulais, c'était détruire notre fragile écosystème. Et voilà comment on me remercie. Je suis désolé, monsieur. Vous voulez que j'envoie des hommes demain mettre une raclée à Algor? Pourquoi pas, oui.